Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compas. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit peu d'économie sur ces factures, car vous êtes peut-être nombreux à vous demander comment faire des économies sur vos factures, surtout d'internet et de smartphone, je parle de mobile, auquel vous payez très cher vos forfaits, auquel vous payez très cher votre forfait d'internet, et vous sollicitez faire quelques économies pour pouvoir à la rentrée vous dégager des fonds pour finir la fin du mois. Et ben je vais vous mettre ici quelques bons plans pour bien finir et pour bien économiser sur ces frais d'internet. C'est parti, on y va. Il faut savoir que nous avons tous maintenant plus ou moins à la maison un fournisseur d'accès internet et un fournisseur d'accès mobile, peut-être un fournisseur à part de son fournisseur d'accès mobile, peut-être un fournisseur mobile à part de son fournisseur d'accès internet. C'est ainsi, peut-être l'un, peut-être vous êtes chez le même fournisseur, mais auquel il faut savoir que vous ne prenez pas le temps, vous achetez tout un tas d'options, vous ne les utilisez pas tous, car une fois par mois ou peut-être deux fois par mois, vous utilisez votre option, et après vous laissez tomber vos options que vous achetez, ou bien vos abonnements que vous achetez. Par exemple, vous achetez du Netflix, vous achetez du Amazon, vous achetez du... on va dire Apple Stevie, vous achetez du Max qui vient d'arriver tout récemment, vous achetez du Paramount Channel, et au final vous ne regardez que Apple Stevie ou encore Netflix, voire quelquefois Amazon, et vous payez très cher le reste de vos abonnements, vous ne vous en occupez pas. Et bien c'est très simple, déjà d'une part, pour faire beaucoup d'économies sur tout ce tas d'abonnements que vous avez là, il existe une solution très simple, je vais juste vous divulguer la solution, je ne vais pas vous donner le nom des sites car c'est interdit. Il existe la solution la plus simple et qui vous coûtera encore deux fois moins cher et vous pourrez voir autant de fois que vous le voudrez votre film, le télécharger autant de fois que vous le voudrez. Et bien c'est le torrent avec un petit VPN que vous voyez ici, VPN, NordVPN ou... CyberGhost ou bien tout un tas de VPN que vous pouvez trouver. Pure VPN que vous voyez ici que j'utilise moi personnellement, et bien avec ce pure VPN vous allez payer un abonnement de 11,89€ et vous allez pouvoir voir autant de films que vous voulez sur tous les sites de torrent. En téléchargement torrent vous pourrez donc télécharger votre film et voir autant de fois que vous le désirez votre film. Donc si vous sollicitez une petite série qui est sur Netflix et que vous ne sollicitez pas la pub, que vous en avez marre de la pub et que payez 13€ pour 100 pubs, et bien là avec 11,89€ votre série vous pourrez la regarder autant de fois que vous voulez, vous pourrez regarder autant de séries que vous voulez, c'est totalement sur le prix de votre VPN. C'est pas très légal, mais c'est la solution qui pour l'instant est la seule solution pour faire des économies sur tout ce tas d'abonnements. Il existe dans ces torrents toutes sortes de films, sorties nouveautés, sorties de Netflix, sorties de Amazon, sorties de Max, sorties de toutes sortes de sites de streaming, puisque les sites de streaming, ils reprennent tout un tas de films qui ont toujours été et qui sont déjà passés à la télé. Donc vous pouvez voir même les nouveautés qui ne sont pas sur nos sites de streaming, Netflix, Amazon, ou encore Max, ou encore Paramount Channel. Voilà. La deuxième partie, c'est très simple, vous ne payez que votre abonnement que via votre fournisseur d'accès internet. Maintenant, avec votre fournisseur d'accès internet, vous pouvez avoir directement Amazon gratuitement, le cas de Chifry. Si vous êtes abonné Chifry, vous avez Amazon gratuit. Vous ne payerez que votre Netflix 5,99€ car... il propose free la partie Netflix à 5,99€. Donc là, vous aurez un abonnement gratuit, un abonnement payant. Après, le reste, Max, etc., etc., ben, ce sera à vous de voir pour faire des économies. Mais sinon, il existe encore plus simple, c'est de prendre l'abonnement au mensuel, si vous souhaitez le prendre mensuel, mais ça, ça vous coûtera très cher, mais à l'année. Voilà, c'est de le prendre à l'année. Et pour prendre la partie Netflix, car Netflix, vous pouvez acheter des petits coupons, des coupons chez le buraliste, ou bien des cartes que vous pouvez trouver soit sur internet, soit directement via les supermarchés. Vous achetez une carte Netflix 50-100€,
et vous payez directement via cette carte votre abonnement sans même vous en soucier, car vous aurez déposé 100€ sur le compte de Netflix. Pour Amazon Prime, il existe des cartes Amazon Prime directement sur internet. Dans la barre de recherche, vous recherchez Amazon Prime, carte pour payer, et vous payez votre abonnement avec une carte que vous aurez achetée sur internet. C'est une carte qui se différencie des cartes cadeaux d'Amazon. C'est une carte spéciale pour Amazon Prime que vous payerez directement à l'année. Vous pourrez prendre une carte 50, 100€. Et là, vous pourrez faire votre année avec la carte que vous pourrez avoir. Ensuite, c'est très simple pour faire encore quelques petites économies sur Internet. Car là, c'est le prix de l'Internet qui va nous intéresser. Le fournisseur d'accès Internet propose donc la fibre optique entre 42 à 50 euros. Mais il faut savoir que dans ces 42 à 50 euros, il y a tout un tas d'options que le fournisseur d'accès Internet va vous proposer. Il va vous proposer de prendre des options pour sécuriser votre PC, votre tablette, votre smartphone, etc., etc. Ça, si vous en avez déjà une des solutions, vous ne la prenez pas. Ça vous fera déjà une petite économie. Le nombre de gigas, ça c'est ce qu'il faut savoir. Le nombre de gigas, est-ce que vous avez besoin absolument d'avoir de très haut débit? Car vous savez qu'à la maison, vous ne l'utilisez pas spécialement pour faire des jeux. Vous ne l'utilisez pas spécialement pour faire du téléchargement. Même si vous faites quelquefois des téléchargements. Eh bien, vous pouvez voir pour avoir une petite box que peut proposer directement les fournisseurs d'accès en fibre optique qui proposera 1 giga d'internet, c'est déjà pas si mal 1 giga, voire même 500 à 600 mégabits, c'est déjà pas mal, 500 600 mégabits. Quand on sait qu'on va pas toute partie jouer à des jeux constamment tous les jours, on va pas faire du téléchargement tous les jours, et simplement, ben, 500-600 mégabits, c'est suffisant. Et cette box peut nous coûter 19-20€ par mois pour cela. Donc déjà, ça vous fait une économie sur les 42€ que vous faites habituellement avec votre fibre optique. Donc 20€ sur 42, vous faites un bénéfice de 22€. Et là, vous pouvez donc voir si les options que vous souhaitez ajouter derrière, prendre ces options. La deuxième partie qui est très simple pour avoir internet à la maison, comme moi je l'ai fait, c'est de voir si vous êtes éligible à la fibre optique et à la 4G box. Vous allez me dire, oui, mais la 4G box c'est que 200 gigas. Si vous regardez bien les fournisseurs d'accès internet, il y en a certains qui proposent des 4G box tout illimité. Tout illimité, c'est une box. Vous mettez une carte SIM comme vous la mettez dans votre smartphone et là vous avez internet en illimité. Il y a la partie SFR qui propose sa 4G box internet illimité qui vient de tout juste de sortir. Il y a Bouygues Telecom qui propose sa 4G tout illimité pour 39€. Donc là vous faites un bénéfice d'environ 2 à 3€. Et après, vous pourrez coupler des options, si vous sollicitez, mettre des options, ou tout simplement prendre le fameux VPN qui vous coûtera que 10 à 15 euros et télécharger hein, tout illimité autant de fois que vous sollicitez. Voilà. Donc pour ma part, moi, du côté d'Internet, j'ai donc une 4G box qui me coûte 39€. 4G box de chez Bouygues Telecom. Je n'ai pas de fibre optique qui me coûte 42€. Je fais déjà une économie de 2 à 3€. Donc c'est déjà pas si mal. Pour les options Netflix, Amazon et tout le Bataclan que je payais jusqu'à 2024, supprimé et je suis repassé directement au Torrent. Torrent qui sont plus faciles à télécharger, ça me prend environ, on va dire, 10 à 15 minutes, car une 4G box c'est un petit peu plus long qu'une fibre optique, mais 10 à 15 minutes c'est déjà pas mal. Donc on a le temps de faire que pendant 10 à 15 minutes des petites choses personnelles à la maison, et après on récupère le téléchargement et on peut le voir autant de fois qu'on veut. Des séries ça peut aller entre 10 minutes tout au plus. Et là, c'est bien, quand on veut sa petite série, on peut se faire en 30 minutes, on peut se faire 4 à 5 épisodes, hein, ça va tellement vite en série, car les mégas, généralement, il faut regarder les mégas pour ne pas
se voir avec une longueur de temps sur le téléchargement. Voilà. Donc pour ma part, moi je télécharge, je suis un gros téléchargeur, voilà, je paye mon VPN 12 euros et j'ai autant de films que je le désire, ainsi que de séries. Des séries qui sont sur Netflix, des séries qui sont sur Amazon, des séries qui sont sur Max, des films qui sont sur toutes les plateformes de streaming, tout ça avec le torrent. Pour la partie mobile, et là c'est la partie mobile que nous payons beaucoup plus cher, le forfait smartphone. On paye son smartphone très très cher, et oui, car on ne regarde pas souvent, on regarde plutôt souvent le quota de mégas qu'on peut avoir sur la 4G ou la 5G. Et là, on se dit, ben si je n'ai pas beaucoup, je ne peux pas faire. Et il faut savoir qu'à la maison, on n'a pas besoin de cette 4G, car à la maison, on utilise sa Wi-Fi, que ce soit la 4G box ou que ce soit la fibre optique, on utilise la Wi-Fi. Comme ça, on est quitte d'utiliser le forfait mobile. Et le forfait mobile, quand on en regarde, on utilise environ, en gros, par mois, entre 40 et 50 gigas. On n'utilise pas pleinement son côté 4G ou 5G. Donc on perd sur ce qu'on a en abonnement. Mais il y a des forfaits qu'on peut trouver deux fois moins cher. Et là, c'est très simple. Un forfait pour faire une économie, il y a des forfaits low cost qui existent par rapport à nos grands fournisseurs. Le premier fournisseur que je dirais qui serait apte à vous fournir un forfait mobile pas très cher, c'est Free. Free qui n'a pas augmenté ses tarifs, qui n'augmentera pas ses tarifs mobiles jusqu'en 2027. Donc là, vous aurez une connexion avec 140, 300 gigas pour 19,99 €. Donc ça fait déjà une bonne partie. 2 euros avec 50 gigas, vous aurez 15,99 € si vous êtes abonné à la Freebox. Si vous êtes un client Freebox, vous aurez 15,99 € l'abonnement. Tout illimité. Donc là, vous n'aurez même pas à vous soucier d'Internet. Vous aurez tout illimité pour 15,99 € par mois. Et vous aurez sinon 300 gigas pour 19,99 €. Je parle de 15,99 €, mais c'est si vous faites bénéficier un membre de votre famille. Lui, il bénéficiera d'un forfait à 15,99 €. Sinon, pour vous, ça sera bénéfique. Vous ne payerez rien du tout. Voilà. Donc, vous voyez, avoir les limités avec son smartphone en étant client Freebox, puisque la Freebox sera prise en charge par votre smartphone, eh bien, vous n'aurez rien à débourser. Voilà. Je parle rien à débourser au niveau giga, puisque vous allez quasiment bénéficier de l'illimité, mais vous allez payer que 15,99 €. Voilà. Donc, c'est une bonne économie que vous allez faire avec Free Mobile. Alors, il existe des petits fournisseurs low cost, que c'est comme tout partie de nos fameuses banques classiques. Ils ont les fameuses banques en ligne. Les fameuses banques en ligne, on ne pourrait pas dire que ce sont des low cost, mais c'est un peu le même principe. Si on en regarde, c'est la partie de la banque moins chère que la banque mère. Et là, c'est le forfait mobile moins cher que la partie de la maison qui prête son réseau. Alors là, il existe des fournisseurs d'accès low cost. Par exemple, on dit que la Poste Mobile, c'est un forfait low cost, car elle utilise la partie du réseau SFR. Donc, elle fait partie de du réseau SFR. Donc, c'est un low cost. SFR, c'est pas la maison mère de la Poste Mobile. Voilà. La Poste Mobile, c'est la maison mère, c'est quasiment la Poste. Voilà. Mais le réseau, c'est SFR. Par exemple, Orange, on dira que, par exemple, toutes les parties de fournisseurs d'accès mobile qui utilisent le réseau Orange, ce sont des low cost, car ils proposent des forfaits moins chers que chez Orange et qui vous proposeront des gigas d'internet conséquents. Alors, moi, je vous ai trouvé ici un fournisseur low cost qui est plutôt pas mal, qui utilise le réseau SFR, qui j'ai fait bénéficier l'un des membres de ma famille sur ce réseau. Pour 300 gigas, vous paierez 17 €, tout compris avec la 5G. 3 € supplémentaires, vous aurez 20 €. 20 €, vous aurez la 5G pour 300 gigas d'internet. Donc là, vous serez quasiment à l'équivalence de chez Free Mobile. Donc Sima Mobile, que je vous présente ici. Sima Mobile, c'est un fournisseur low cost qui jusqu'en 2023 utilisait les réseaux Orange.
qui a été racheté par la société SFR et qui SFR donne pleinement son réseau à Sima Mobile. Sima Mobile, c'est un fournisseur low cost qui n'a jamais augmenté ses tarifs depuis qu'il existe. Il n'a jamais augmenté ses tarifs. Il avait une offre à 1,90€ pour 2 heures pour concurrencer Free qu'il avait sorti. Une offre à 9,90€ avec 40 gigas d'internet qui vous feront bénéficier, comme vous voyez ici, de 40 gigas d'internet pour 9,90€. Une offre à 300 gigas à 17,90€ que vous voyez ici, 300 gigas, qui, si vous rajoutez 3€ en option pour la 5G, vous aurez la 5G sur votre smartphone si vous êtes compatible avec la 5G. Donc, ce qui vous fera 20€ le forfait pour 300 gigas. Et une offre à 100 et quelques gigas pour 12 ou 15€, voilà, que vous avez chez Sima Mobile. Donc vous voyez, ils n'ont jamais augmenté les tarifs et le service client, quand vous l'avez entre les mains, que vous êtes en discussion avec le service client, Sima Mobile vous informe qu'il n'augmentera jamais ses tarifs, qu'il sera en toute transparence, que vous aurez un service qui aura toujours les mêmes tarifs, quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, Sima Mobile, vous faites une sacrée économie par rapport à votre réseau, par exemple, SFR. Même, ou bien si vous êtes chez Orange, ben, vous allez gagner par rapport à Orange. Peut-être que vous n'apprécierez pas le réseau SFR, mais c'est un petit forfait que j'ai donc décidé de vous faire bénéficier pour faire des économies sur votre forfait mobile. Voilà, donc cette partie petite économie de fournisseur d'accès internet et mobile, c'est là tout se passe dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.